Le cocardier qui rattrape Pisse a pour nom Eros. Il appartient à la manade de Bernard Lautier. Il est porteur d'une cocarde et de deux glands primés 27 euros chacun. Eros est marqué du numéro 747. Profit Pierre qui est de la poche de 2 euros depuis à la cocarde. La SRL sonnée à ses 10 semaines le porte à 30 euros. Bien doc, Nîmes, Lunel et Bouillard de 2 euros de plus. Le tabac frais, c'est lié à l'air Saint-Marguerite de 2 euros de plus. La coupe de la cocarde à 34 euros pour Azoteur Johan Pradier. La cocarde est maintenue à 34 euros après la coupe. Le matogana tabac frais Saint-Marguerite, 2 euros de plus. Le café Viva, notre fournisseur de buvettes, 2 euros de plus. Et monsieur William Portail, conseiller général de Marine, porte de la cocarde à 40 euros. Le magasin Intermarché à Marguerite, 2 euros de plus. Et la cocarde à 4. Le premier glam, pardon, à 27 euros pour le rasoteur Joachim Cadena. Ainsi que la cocarde à 42 euros. Les constructions artisanales Grenaoué, 2 euros de plus au deuxième glac. Et le marchand de Chichi devant les arènes qui vous attend à l'entracte porte le deuxième gang à 30 euros. Le restaurant Les Côtes tourne à la Besousse, 2 euros de plus. L'agence locale de gérance, 2 euros de plus. HD Pro, les produits industriels de nettoyage, 2 euros de plus.
Le deuxième gain à 36 euros pour un auteur Johan Pratier. Première ficelle, 27 euros. La coutellerie de Camarguer à Besouce la porte à 30 euros. Effage à travaux publics, 2 euros de plus. Le magasin supérieur Marguerite, 2 euros de plus. Rose et René Bompard, 2 euros de plus. La SRL Fernandez et fils, 2 euros de plus. Christian Guillotto qui dit à Marguerite porte la première ficelle à 40 euros. Baumel, l'armurerie alimentation animale à Marguerite, 2 euros de plus. L'association Licoutenègre, 2 euros de plus. Mini café, le café de Gégé, le café qui vous fera peut-être un jour bronzer, 2 euros de plus. La carrosserie Pompard anime, 2 euros de plus. Et notre ami Christian Gillet, photographe de la Fédibion, porte la première ficelle à 50 euros. Yvan Villard, travaux agricoles à Montreuil, 2 euros de plus. Lucas Grézan anime, 2 euros de plus. Le restaurant Tiet Pizza, 2 euros de plus. Les cas STDG, 2 euros de plus. Et le marché de chouchou des arènes à la casquette blanche porte la première ficelle à 60 euros. La plomberie Nicolas Garcia, 2 euros de plus. Le cercle amical rencontre, 2 euros de plus. Le restaurant La Casbah, spécialiste du couscous, anime, 2 euros de plus. Les pompes marogées, 2 euros de plus. Et monsieur Denis Brière, premier adjoint à la ville de Marguerite, porte la première ficelle à 70 euros. La SARL PETM anime, 2 euros de plus. L'optique François Ratigné, 2 euros de plus. Le bouquet à Saint-Gervasi, 2 euros de plus. La brasserie l'a jeté au Gros du Roi, 2 euros de plus. Et M. Roger Armand, joueur à la festivité de Marguerite, porte la première ficelle à 80 euros. Hervé Coiffure, 2 euros de plus. L'électricité marguerittoise Kevin Kio, 2 euros de plus. La plomberie sanitaire multiservice Gatille Jonathan, 2 euros de plus. Rémi Nicolas, président de Marguerite Temen, 2 euros de plus. Et M. Marc Ventura, jardinier paysagiste à Saint-Gervasi, porte la première ficelle à 90 euros.
SRL samedi à Montpellier, 2 euros de plus. Bien aussi matériaux, 2 euros de plus. Le restaurant Le Relais, zone industrielle de Marguerite, 2 euros de plus. La carrosserie Inar Jérémy à Générac, 2 euros de plus. Et monsieur William Portal, conseiller général maire de Marguerite, porte la première vitelle à 5 euros. La Peña Paul Ricardales, 2 euros de plus. La Soliade des Margarides, 2 euros de plus. Les Arlésiens de Nation Gardienne, 2 euros de plus. Le garage Village à Renault Marguerite, 2 euros de plus. Et la pizza à la coiffe porte la première vitelle à 110 euros. Calvé Agricole, la pulvérisation sur mesure, 2 euros de plus. Le garage Bernard Palinsot, 2 euros de plus. Les pneus de service Polchier, 2 euros de plus. L'auto-école de Provence, 2 euros de plus. Et Martine Kebab porte la première vitelle à 120 euros. Le garage Thierry Castellani, 2 euros de plus. Le pétrin d'Antan, 2 euros de plus. Racine Paysage, 25 guillots, 2 euros de plus. La FRL Hôtelet, 2 euros de plus. Et nos amis photographes Toré présents sur les gradins portent la première vitelle à 130 euros. LM Racing, 2 euros de plus. Le restaurant L'Oliva, 2 euros de plus. Nathalie et Victor Cano, boulanger à l'Aidenon, 2 euros de plus. Sur 7, la laverie blanchisserie, 2 euros de plus. CAPL à Générac, 2 euros de plus. Messieurs les rasoteurs, dernière minute, la direction porte la première vitelle à 140 euros.